25 000 références produits s'entassent dans cet entrepôt. Des crèmes, des produits bébés, des compléments alimentaires. Bienvenue dans la plus grande parapharmacie de France, qui ne vend que sur Internet. C'est une véritable caverne d'Ali Baba ici. Comment vous faites pour vous y retrouver? Il y a des références partout. C'est assez simple en fait. On est organisé par différentes zones qui elles-mêmes sont organisées par laboratoire. Et ensuite, ce qu'on appelle communément les piqueurs sont chargés de remplir les bacs que vous trouvez sur le tapis juste ici afin de pouvoir finaliser la commande un peu plus loin dans la chaîne de fabrication. On envoie plusieurs milliers de colis par jour aux quatre coins de la France. Depuis sa création il y a 8 ans, Santé Discount affiche 1 million de commandes. Les 70 employés assurent la préparation des colis, mais se chargent aussi de rassurer les clients. Derrière ces écrans, de vrais pharmaciens prodiguent leurs conseils. Est-ce que vous grignotez souvent dans la journée ou pas du tout? Les coupe-faim, généralement, ça va être des fibres que vous allez prendre et qui vont gonfler en fait, dans l'estomac. Et donc ça va permettre d'envoyer au cerveau un message pour dire que justement votre estomac est rassasié, vous allez avoir moins l'envie de grignoter à ce moment-là. Les gens, ils ont vraiment besoin d'être rassurés aussi sur Internet. Donc c'est vrai que la plupart des personnes nous appellent ou nous contactent par mail, essentiellement par exemple pour savoir si le produit est adapté à leurs besoins. Dans les pages du site, impossible de trouver des médicaments. La loi française reste aujourd'hui très contraignante pour ce type de commerce sur Internet. Loïc Lagarde, le patron du site, affiche fièrement sa réussite. Son entreprise s'ouvre à l'étranger, Espagne, Italie et Grande-Bretagne pour l'instant, et vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros d'ici 2 ans. C'est une société donc toulousaine créée en 2008 qui a connu une belle croissance depuis, fondée par 2 pharmaciens. Donc cette logique de conseil est importante pour nous. Et on réussit à vivre cette belle croissance donc depuis le même site ici pour nous amener à la première place sur 2016, que nous comptons conserver, bien sûr accélérer sur 2017 avec encore de très belles perspectives de croissance pour nous. Le marché de la parapharmacie, c'est 4 milliards d'euros chaque année en France et seulement 3% sur Internet. Le potentiel de développement est donc énorme. Et d'ailleurs, cette entreprise va recruter cette année 60 personnes supplémentaires et s'installer dans des locaux beaucoup plus grands.